nous sommes à la troisième édition donc, de la randonnée du Levant, accompagnée en tout cas par la Riviera du Levant. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de particulier, c'est que nous inaugurons un espace de terrain roller mis à notre disposition par l'EPF, l'établissement foncier de la Guadeloupe, et la commune de Saint-François. Avoir de telles structures, ça permet effectivement de redynamiser un petit peu le bourg. Ça contribue à redorer un petit peu l'image de nos collectivités, à faire en sorte que disparaissent un petit peu ces dents creuses, permettre de faire que sur le plan générationnel, donc si on peut ramener les jeunes auprès des aînés, c'est une bonne chose. Ce premier rééquipement en plein centre-ville dédié au sport de glisse, comme le roller, je l'ai dit, le BMX, la trottinette, le skate. Et c'est comme je le pense et que je le souhaite vraiment, une volonté politique forte. C'est que dans toute la Riviera du Levant, nous puissions avoir des équipements de ce type. Et à Saint-François, nous voulons surtout nous équiper au Raisin Clair d'un vrai skate park, d'un vrai skate center, capable justement d'accueillir des compétitions internationales. C'est la volonté politique qui m'anime depuis très longtemps et nous le ferons avant la fin de cette mandature.